Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce deuxième live. Soyez les bienvenus. Je vous laisse vous installer confortablement et j'aimerais déjà m'assurer que le son est bon. Donc si vous pouvez me faire signe ou me laisser me donner de me le dire en commentaire, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Merci beaucoup, merci énormément. Je vous laisse vous installer confortablement. Très bien, merci. Alors installez-vous et commencez à partager. OK, partagez. Et dès qu'on arrive à un certain nombre, je commence. Donc, je vous laisse partager. Et en attendant, je vous fais écouter l'hymne national de la Résistance. C'est parti. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à vous toutes et à vous tous et partagez s'il vous plaît. Là, on est à 182, donc faites encore un petit effort et on pourra commencer. Allez-y, je vous repasse une deuxième fois l'hymne de la Renaissance pendant que vous partagez. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est
Voilà, soyez les bienvenus une fois de plus. Surtout, n'oubliez pas de continuer à tontiner. Vous avez certainement vu que Yannick vient d'afficher le lien pour continuer les contributions. C'est très, très important. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. C'est l'assurance en cotisant à la SCSI, c'est d'avoir l'assurance que chaque centime cotisé ira bien aux destinataires, voilà, à savoir nos frères et sœurs du Cameroun qui en ont besoin pour pouvoir mieux se protéger contre la pandémie de Covid-19. Donc, il est très, très important de continuer la mobilisation à Cameroun Survival Initiative, SCSI, Survie Cameroun Survival Initiative. Je compte sur vous. Donc, on va commencer. Soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, je reviens pour vous parler d'un sujet très important, à savoir cette semaine cruciale qui vient de s'ouvrir, qui est très cruciale pour la suite de notre combat, hein, et aussi pour l'avenir de notre très beau pays, le Cameroun. Comme vous savez, le président de l'Assemblée nationale, M. Kavaye Yeguié Djibril, a signé deux décrets le 19 mai 2020. Le premier décret qu'il a signé porte convocation de la deuxième session parlementaire de cette année 2020, qui va donc s'ouvrir à partir de demain, 10 juin 2020. Vous voyez, je vous disais, c'est une semaine cruciale. Le deuxième décret convoque quant à lui en congrès l'ensemble des parlementaires camerounais, hommes et femmes confondus. Alors, vous êtes sans ignorer que
Les parlementaires, hein, aussi bien les députés que les sénateurs, sont au nombre de 280 dans notre pays, 180 pour l'Assemblée nationale, des députés donc, et 100 sénateurs. Tous sont donc convoqués en congrès le 12 juin 2020. Pourquoi est-ce que ces dates sont cruciales? Ces dates sont très cruciales, pourquoi? Vous vous en doutez, n'est-ce pas? Parce que la vacance à la présidence de la République camerounaise est maintenant un fait avéré. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait au point où maintenant, certains médias français commencent à en parler. Je vais vous prendre l'exemple d'un média qui s'appelle Africa Intelligence, qui, dans son édition du 8 juin 2020, c'est-à-dire hier, titrait, je cite, Paul Biya, une succession sous respirateur artificiel. Alors, je vous invite tous, toutes et tous, à vous rendre sur la page Facebook du professeur Franklin Yamsi, parce qu'en réalité, c'est lui qui nous a dévoilé cette information hier dans son live, pour pouvoir lire cet article en question. Pourquoi je vous invite à y aller, à lire cet article sur sa page? Parce qu'il a bien voulu mettre à disposition cet article gratuitement pour nous toutes et nous tous, étant donné que sur le site même de ce média Africa Intelligence, eh bien, il faut payer 6 euros pour pouvoir lire cet article. Donc, le professeur Niamsi, lui, a mis cet article à disposition. Donc, je vous invite à aller le lire. Et 6 euros en franc CFA, ça fait 3 900 francs CFA à peu près, donc on va dire 4 000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Avec 4 000 francs CFA, un père de famille peut nourrir sa famille pendant 2 jours. Donc je vois mal un Camerounais qui a déjà du mal à s'en sortir aller payer cette somme pour lire cet article-là. Donc reportez-vous sur cette page, il est à disposition et de façon gratuite. Merci à lui. Et lisez-le. Cet article nous informe qu'en réalité, M. Paul Biya, président usurpateur de la République du Cameroun, serait sous respirateur artificiel. En réalité, ce qu'on retient de cette information-là, c'est que les médias français commencent à en parler. Et ça ne va pas tarder à se généraliser, hein. Bientôt, ça va devenir une information que tout le web reprendra. Et cet article ne s'arrête pas là, puisqu'il nous informe également de la guerre de succession qui a lieu en ce moment même au sommet de l'État camerounais. Ceci pour dire que ce sont des signes en réalité qui nous font croire que la vacance du pouvoir à la tête de notre pays va sans doute bientôt nous être annoncée. Parce qu'on ne va pas continuer à nous faire croire que M. Paul Biya est en super forme et qu'il va que normalement à ses obligations. Alors que depuis le début de la pandémie Covid-19, il n'a pas organisé un seul conseil des ministres. Étant donné donc que cette vacance du pouvoir va bientôt nous être annoncée, sans doute pour très bientôt, que prévoit la Constitution camerounaise? C'est là où deux personnages vont entrer en jeu maintenant.
en réalité un personnage, mais vous allez très vite comprendre qu'il y en a un deuxième. Le premier personnage, dès lors que la vacance du pouvoir va nous être annoncée, c'est évidemment le président du Sénat, Monsieur Nyat Djifendji Marcel, âgé de 85 ans, hein, si mes souvenirs sont bons, dont la santé est plus que chancelante, puisqu'il serait en ce moment même en soins dans un des hôpitaux ici en Europe. Donc, le président du Sénat, qui en réalité n'exerce plus ses fonctions depuis plusieurs années maintenant, tout le monde le sait, étant donné que c'est un monsieur qui est malade. C'est donc lui qui, selon notre Constitution, devrait devenir le président de la République par intérim, dès lors que la vacance du pouvoir à la tête de notre pays sera enfin annoncée. C'est lui donc, si un tel scénario se produisait, c'est lui qui normalement serait en charge d'organiser de nouvelles élections présidentielles dans un délai de 120 jours, hein, il me semble, 4 mois. Tout laisse à croire que M. Marcel Nyat Djifendi est hors course, puisqu'il est malade. Certains l'annonçaient même mort. Anyway, il ne sera probablement pas en mesure d'assurer l'intérim à la tête de l'État camerounais. Dans ce cas, c'est alors que le deuxième personnage dont je vous ai parlé entre en action. Il s'agit de son premier suppléant, qui s'appelle Aboubakari Abdoulaye, le fameux Lamido de Rey Booba, dont tout le monde parle. C'est donc lui qui, en cas d'indisponibilité du président du Sénat, reprendrait les rênes, et c'est donc vraisemblablement lui qui devrait assurer l'intérim de la présidence de la République du Cameroun en attendant de nouvelles élections présidentielles. En tout cas, il en serait chargé, il serait chargé d'en organiser de nouvelles. Voilà l'état actuel de notre constitution, hein. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un gros problème, c'est que le peuple camerounais ne veut plus être dupé. Ça fait 38 ans que dans ce pays, on organise des élections qui sont complètement frauduleuses. Ça, tout le monde le sait. Que ceux qui sont en charge de gouverner ce pays le sont de façon illégitime, illégal, puisqu'en réalité, les résultats qu'ils nous proclament ne sont jamais les résultats qui sortent véritablement des urnes. En parlant des deux personnages dont je viens de vous parler, M. Nyat Djifendji et son premier suppléant, Aboubakari Abdoulaye, eh bien, sachez que ces deux personnages n'ont jamais été élus par le peuple camerounais, jamais. Ils ont été nommés directement par leur patron, M. Paul Biya, lui-même usurpateur du titre de la fonction. Donc, en l'état, si c'est M. Aboubakari Abdoulaye qui organise de nouvelles élections présidentielles, il va sans dire qu'elles seront une fois de plus truquées, falsifié, faussé. Et nous, peuple camerounais, nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus accepter de fraude massive. Nous voulons désormais, à la tête de notre État, des dirigeants qui ont été réellement élus par le peuple camerounais. À cet effet, je vous invite encore une fois à aller écouter la rediffusion d'un live qui a été fait
par le professeur Franklin Yamsi. Je ne suis pas en train de faire sa publicité, hein. C'est simplement que personnellement, moi, je l'écoute beaucoup. Et je suis ces lives qui me sont très instructifs. J'en écoute aussi, mais beaucoup plus lui. Et je trouve que chacun de nous devrait faire l'effort de s'instruire. Alors, ce que je viens de vous dire là, je l'ai écouté dans son live, hein, dans d'autres lives aussi, mais je suis capable de vous le résumer en quelques mots. Donc, vraiment, faisons l'effort de dépasser nos petites querelles personnelles et de nous instruire pour pouvoir ensuite relayer à d'autres personnes, comme moi, je suis en train de le faire avec vous. Voyez, je n'y connais absolument rien en droit constitutionnel, hein, absolument rien du tout. Et c'est comme ça que je m'informe auprès des personnes qui ont de l'expérience, qui, elles, sont beaucoup plus calées que moi. Voilà. C'est donc ça que j'invite tout le monde à faire en réalité. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on était en train de dire. Nous le savons tous, que organiser des élections présidentielles anticipées suite à la vacance du pouvoir qui va sans doute nous être annoncée bientôt, c'est revivre le même scénario d'il y a 2 ans, avec un résultat qui ne reflète absolument pas celui qui sort des urnes. Nous devons donc tout faire pour nous faire entendre. C'est surtout parce que nous pensons également, et ça c'est le président élu Maurice Kamto qui nous l'a dit, souvenez-vous, lors de son allocution du 1er juin dernier, il nous a dit que nous n'accepterons pas d'élection présidentielle anticipée sans avoir au préalable réglé la crise anglophone. La crise anglophone qui a déjà fait des milliers de morts et autant de déplacés. Voilà un conflit qui dure depuis plus de 3 ans maintenant, qui n'a toujours pas été réglé. Et je vois mal comment est-ce que dans ces conditions-là, avec un pays à feu et à sang, comment peut-on sereinement organiser de nouvelles élections anticipées? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Le gouvernement en place sait très bien que de toute façon, le résultat sera de nouveau faussé. Il le sait. Et ça sera sans aucun doute la fraude de trop pour les Camerounaises et les Camerounais qui maintenant sont avertis, sont éveillés, sont conscients de tout ce qui est en train de se passer, qui sont mobilisés pour que. Pour ne plus jamais accepter une chose pareille. Ils le savent. Voilà pourquoi ils étudient un deuxième scénario. Essayer de contourner le peuple camerounais, essayer de passer en catimini, voyez, en sous-marin, ce fameux gré à gré là dont on parle beaucoup ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle je vous parlais de ces sessions et congrès qui s'ouvrent à partir de demain, parce que tout porte à croire qu'au cours de ces rendez-vous parlementaires, tous ceux qui sont en train de manœuvrer en ce moment pour faire passer leur gré à gré, tout porte à croire qu'ils demanderont aux députés et aux sénateurs de leur donner un blanc-seing, de leur donner la permission, de leur donner, enfin, de voter en faveur d'une modification de notre Constitution. C'est de ça dont il est question en réalité. Pourquoi veulent-ils changer la Constitution? Ils veulent changer la Constitution pour créer un poste de vice-président. Vice-président qui sera nommé, pas élu, hein, nommé
par le président de la République, à supposer qu'ils sont encore vivants, on ne sait pas, nommé donc, pas élu, et qui sera donc en charge de terminer le mandat de M. Paul Biya devenu invalide, inapte à exercer la fonction. Donc vous voyez un peu l'entourloupe qui est en train de se préparer sous nos yeux. Voilà. Donc ils essaient de nous imposer ce gré à gré pour nous obliger à les supporter encore pendant 5 ans. Parce que le mandat de Paul Biya l'usurpateur s'achève dans 5 ans. Et ça, nous disons non, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. C'est donc ça dont il est question. Hein. Voilà pourquoi tout à l'heure encore, j'écoutais une émission sur Equinox, où il était titré « Pourquoi cette semaine est-elle si cruciale ?» Eh bien, c'est de ça dont il est question. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Ces gens essayent de faire passer leur gré à gré en contournant le peuple camerounais. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Voilà pourquoi je reviens sur l'allocution du président élu Maurice Kamto. Son allocution du 1er juin dernier, autant pour moi, 1er juin dernier, dans laquelle il nous appelle toutes et tous à la mobilisation générale, à nous tenir prêts, à faire barrage à ce gré à gré qui se dessine sous nos yeux et dont la phase de mise en application pourrait commencer dès demain. Dès demain. Nous devons donc surveiller ces dates comme du lait sur le feu et être en alerte par rapport à ça. Le président Maurice Kamto nous a dit quoi? Il nous a dit « Tenez-vous prêts ». Tenez-vous prêts, nous avons 2 revendications essentielles qui sont la résolution pacifique de la crise anglophone, la crise qui sévit depuis plusieurs années dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Nous avons également comme revendication la modification du code électoral, modification consensuelle du code électoral, afin de garantir la tenue d'élections transparentes. Parce qu'avec le code que nous avons actuellement, il est impossible de garantir la transparence dans des élections. Le président élu Maurice Kamto nous a donc demandé d'être prêt à la mobilisation générale. Et il l'a dit, si jamais ceux que j'aime bien appeler les sardinards des Toudis essayez de vouloir nous imposer, essayez de venir, de vouloir passer en force en annonçant la convocation de nouvelles élections présidentielles anticipées, sans tenir compte de nos revendications, eh bien, on devait considérer cela comme une déclaration de guerre. Je le répète encore, une déclaration de guerre. Cela signifie qu'à ce moment-là, nous devrons sortir en masse massivement envahir toutes les rues du Cameroun, ne pas laisser un seul centimètre de libre pour crier notre désaccord et ce jusqu'à ce que l'on soit entendu. Parce qu'il faut bien se mettre en tête que si nous acceptons cette mascarade, si nous la laissons passer, eh bien ça sera reparti pour nous pour 40 ans de galère, 40 ans de misère. Le système Biya, en réalité, va continuer à sévir. L'homme, lui, sera peut-être déjà mort. On attend hein, qu'il nous dise en réalité ce qu'il en est. Mais son système va perdurer. Ça ne va pas changer. Or, les Camerounais en ont marre. Les Camerounais veulent tourner la page de 38 ans de souffrance, de 38 ans de galère. Les Camerounais veulent tourner la page. Et cette fois, nous sommes déterminés à le faire. Nous sommes vraiment déterminés à y aller jusqu'au bout. Quitte à y laisser la vie. Hein. Professeur Maurice Kamto nous l'a dit. Hein. Ce combat, c'est notre combat. Nous ne devons pas le laisser à nos enfants.
Moi, je suis une maman, hein, comme la majorité d'entre vous, peut-être. J'ai des enfants aussi et je ne veux absolument pas les voir grandir ou aller en vacances dans un pays où règne la terreur, où on massacre des gens simplement parce qu'ils ont osé dire non au régime en place. Ce combat, nous devons le mener. C'est notre combat, ça. Et comme je vous le disais déjà dans le précédent live, c'est devenu presque une mission pour nous. Nous n'avons pas le choix, nous devons aller jusqu'au bout. Nous n'avons pas le choix. C'est un impératif. Il y a tellement d'attentes. Il y a tellement d'attentes. Tellement de problèmes. Ils ont tellement bousillé notre pays. Ils l'ont tellement mis à plat que c'est un impératif pour nous de la réussir, cette mission. Et nous la réussirons de façon collective. De façon collective. On continue. Je commence par vous rappeler de ne pas oublier de cotiser, hein. Prêtez un œil sur le lien que Yannick vient de vient, enfin que Yannick a mis. Cliquez dessus et continuons à tontiner. De temps en temps, je vous rappellerai ça au cours de ce live si je m'en souviens. Je voudrais donc dire, moi également, parce que d'autres l'ont déjà fait, je voudrais également, à mon tour, m'adresser à tous ces parlementaires qui sont à la solde du régime de M. Paul Biya, l'usurpateur, en leur demandant impérativement de se ranger du bon côté de l'histoire. Et se ranger du bon côté de l'histoire, ça veut dire se ranger du côté du peuple camerounais. Rien ne leur garantit que le régime Biya, qui les supporte, qui les engraisse, qui les corrompt actuellement, perdurera. Si c'est sur cela que vous misez, rien n'est moins sûr, hein? Rien n'est moins sûr. Et je crois que tous ces parlementaires ne sont pas aveugles pour voir comment nous toutes Camerounaises et Camerounais sommes décidés à faire tomber ce régime parce que c'est de ça dont il est question. Disons les choses comme elles sont. Nous voulons que ce régime tombe. Voilà. Rangez-vous du bon côté de l'histoire pour ne pas avoir à le regretter. Il est encore temps. Pour vous, chers parlementaires, chers compatriotes, il est encore temps pour vous de faire le bon choix. Descendez du navire Biya avant qu'il ne soit trop tard. Parce que la vague populaire, elle arrive, incontestablement. Rangez-vous du bon côté de l'histoire. Désolidarisez-vous de ce régime tyrannique. Il est encore temps de le faire parce que rien ne vous garantit, hein, que tous vos privilèges perdureront. Je voudrais m'adresser aussi à mon humble niveau, à notre chère armée. L'armée camerounaise que nous aimons beaucoup, que nous aimons beaucoup, pour lui demander, elle aussi, de choisir le camp du peuple camerounais. Nous, Camerounaises et Camerounais, nous avons bien compris l'appel à la mobilisation générale de notre leader, de notre champion Maurice Kamto. Et nous sommes décidés, décidés, résolument décidé à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès lors que la vacance du pouvoir sera finalement annoncée, et que si l'on ne tient pas compte de nos revendications et que malgré tout, les sardinards du régime de Paul Biya nous annoncent la tenue de nouvelles élections anticipées, eh bien, toutes les Camerounaises et tous les Camerounais vont se ruer dans toutes les rues du pays de façon pacifique. Avec nos pancartes, avec nos slogans, pour réclamer que tout ça s'arrête, pour réclamer le départ définitif du régime de Paul Biya.
qui s'est bien engraissée pendant 38 ans et qui aimerait que ça continue. Nous disons non et nous sommes prêts. Nous avons bien entendu ça. Nous sommes prêts et donc, le moment venu, lorsque toute citoyenne et tout citoyen camerounais va librement exercer son droit de manifester pacifiquement, je vous implore de ne pas faire usage de vos armes. Rangez-vous du bon côté du peuple parce que, de toute évidence, M. Paul Biya est devenu inapte à exercer sa fonction. Non. À quoi servirait-il de tirer sur nous? Je vous en implore, choisissez le bon camp, choisissez le camp du peuple camerounais pour enfin tourner cette page si douloureuse pour nous toutes et pour nous tous. Je voudrais aussi m'adresser à nos artistes, à nos célébrités, comme d'autres l'ont déjà fait avant moi. Mais puisque l'occasion m'est donnée, je voudrais associer ma voix à l'indignation que nous avons toutes exprimée et tous face au silence assourdissant de nos artistes, de certains de nos artistes, hein, parce qu'il y a certains qui se sont publiquement exprimés en faveur d'un changement. Et ça, nous saluons. Mais il y en a d'autres dont on attend désespérément qu'ils s'expriment sur toute cette situation. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ignorent tout ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas vrai. Ils le savent. Quand je vois, par exemple, mon cher compatriote Yannick Noah, juste pour le citer lui, s'indigner publiquement du sort qui a été réservé à George Floyd, aux États-Unis, exprimer la colère qu'on a vue sur son visage. Et à raison d'ailleurs, qui peut ne pas être indigné? Nous l'aurons tous fait de toute façon, et nous l'avons fait aussi. Mais aller s'indigner publiquement du sort de George Floyd et oublier notre confrère, notre compatriote Samuel Ouazizi. Ils ne vont pas dire qu'ils ne savent pas. Yannick Noah, tu as certainement entendu parler du sort qui a été réservé à Samuel Ouazizi. Ça n'a pas pu t'échapper. Je m'adresse à toi et à travers toi à tous les autres artistes, hein, à toutes les autres célébrités camerounaises qui sont elles aussi concernées par ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Yannick Noah, es-tu devenu sourd ou aveugle pour ne pas dire mot du sort impitoyable, impitoyablement cruel qui a été réservé à notre compatriote Samuel Ouazizi? Qui, alors qu'il ne faisait que répondre à une convocation au commissariat, n'en est jamais ressorti. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on apprend qu'il serait en réalité mort depuis août 2019. On apprend ça un an plus tard. Donc ce compatriote, ce journaliste qui ne faisait que son travail, a été torturé, son corps a été massacré jusqu'à ce que mort s'en suive. Il n'a même pas eu droit à ce dont tout gardé à vue a droit, à savoir demander l'assistance d'un avocat ou demander à être consulté par un médecin. Ça, on lui a refusé. Le moindre des droits humains. On a tué ce journaliste après l'avoir sauvagement torturé, comme ils savent si bien le faire, ces sardinards des Toudis. On a caché son corps à sa famille pendant une année entière.
qui peut accepter ça? Samuel Wazizi avait une famille qui l'aimait. Qui peut accepter une chose pareille? Yannick Noah, tu me permettras de te tutoyer, hein? Pourrais-tu accepter un tel traitement pour tes propres enfants ou pour des personnes que tu aimes profondément, qui te sont chères? Pourrais-tu accepter ça? Alors pourquoi tu ne dis rien? Tu t'en vas à des milliers de kilomètres t'indigner sur le sort d'un noir américain et nous partageons cette indignation parce que nous sommes toutes et tous des êtres humains. Mais tu oublies ton propre pays, le Cameroun, dont tu es si fier. Tu en parles régulièrement sur les plateaux télé. Tu en parles, le Cameroun qui t'a porté, Yannick Noah. Tu fais partie de cette personnalité que les Camerounais n'oublieront jamais. Qui ne connaît pas? Il suffit de prononcer ton nom dans n'importe quelle ruelle du Cameroun que tout le monde se souvient de toi. Tout le monde sait qui tu es. Les Camerounais sont des artistes. Vous ont mis en haut, comme on dit. Et maintenant que le peuple camerounais a besoin de vous, vous vous taisez. Silence radio, silence de mort. Est-ce que c'est normal pour ton propre compatriote qui partage avec toi l'amour du Cameroun? Tu ne dis rien, tu te tais, ton silence est coupable, j'ose te le dire. Yannick Noah, ça n'est pas normal. Il serait temps pour toi de sortir de ton silence parce que les Camerounais ne te le pardonneront pas. Le Cameroun libéré ne te le pardonnera pas. On s'en souviendra. On s'en souviendra. Parce que le moment arrivera, forcément, forcément, où on accédera enfin à la liberté de notre pays, qui a tant souffert de ce régime diabolique. Et nous nous souviendrons de tous ces artistes que nous avons mis en haut, que nous avons portés très très haut. Tout le monde se souviendra d'eux pour ce silence assourdissant. Leur silence est tellement assourdissant qu'on l'entend, hein. On entend ce silence. Alors j'espère que cette interpellation parviendra aux oreilles de Yannick Noah et j'espère bien qu'il me répondra. J'espère bien qu'il me répondra. Comment peux-tu cautionner Yannick Noah? Toi, là encore, on ne t'a pas entendu. Comment peux-tu cautionner qu'un gouvernement comme celui de M. Paul Biya, l'usurpateur de titres, l'usurpateur de fonctions présidentielles. Peut-être que toi, tu ne le penses pas, mais ça, je le dis parce que j'y crois. C'est vrai, c'est la réalité, pour moi en tout cas. Comment peux-tu cautionner que ce gouvernement-là aille massacrer des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes dans le Noso? Comment peux-tu cautionner Yannick Noah que ce gouvernement aille tuer des femmes avec des bébés sur leur dos? Qui peut accepter ça? Tu en as obligatoirement entendu parler. C'est obligatoire. Ces images effroyables ont fait le tour du monde. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Ça n'est pas vrai. Et là encore, on ne t'a pas entendu. Par contre, on t'a bien vu aller t'afficher publiquement avec la photo de George Floyd, hein, sur ton t-shirt pour t'indigner. Et qu'en est-il alors de nous autres Camerounais? Nos vies valent-elles moins que celles de George Floyd? Les Camerounais massacrés tous les jours ne valent-ils rien pour toi? Pour que cela t'arrache, ne serait-ce qu'un seul mot d'indignation? Pourquoi? Moi, j'ai juste envie de demander, mais pourquoi? Pourquoi? On ne peut pas se dire citoyen du monde, comme c'est le cas pour toi, avec tes multiples engagements, et se taire sur ce genre de massacre.
Ça n'est pas possible. Et nous ne comprenons pas. Le peuple camerounais te le dit, nous ne comprenons pas. Alors, s'il te plaît, sors de ton silence. Dis quelque chose. Ça n'est plus supportable. Ce message s'adresse à toi, mais bien sûr à travers toi. Toutes nos célébrités, hein, tous nos sportifs, les chanteurs, les musiciens, qui n'ont toujours pas pris position. Il serait grand temps. Le Cameroun, ce cher pays que nous partageons tous, est en train de vivre des moments bouleversants. Les jours qui viennent vont être difficiles pour chacune de nous et chacun. Vous êtes certainement au courant de tout ce qui se passe en ce moment. Vous n'avez rien à dire là-dessus? C'est quand même étonnant. Je n'ose pas croire. Il serait temps de prendre position. Nous aimerons t'entendre, Yannick Noah. Donc fais quelque chose, écris quelque chose, fais une vidéo que tu postes sur tes comptes internet, mais envoie-nous un message, fais-nous signe, fais-nous signe. Nous ne voulons plus, ce qui est certain, d'un pays où lorsqu'on ne fait que répondre à une simple convocation à la police ou à la gendarmerie, qu'on ne soit pas sûr d'en ressortir vivant, parce que telle est là, elle est là la réalité du Cameroun en ce moment. Si vous allez dans un commissariat parce qu'on vous y a convoqué, commencez à faire vos adieux à votre famille. Rédigez votre testament avant d'y aller. Dites au revoir aux vôtres, parce que vous n'êtes pas sûr d'en sortir vivant. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Parce que ces gens se sont arrogés le droit de décider qui peut vivre et qui peut mourir. Ils se sont pris pour Dieu. Non, ils ne sont pas Dieu. Seul Dieu, pour ceux qui croient en tout cas, a le droit de décider quand on s'en va. Ces personnes ne sont pas Dieu. Elles n'ont aucun droit de vie ou de mort sur nos vies. Nos vies ne leur appartiennent pas. Nous ne voulons plus de ce genre de choses. Nous voulons un pays où on pourra enfin vivre en paix. Un pays où le tribalisme ne sera pas la religion d'État. Parce qu'ils usent et on abuse de ce tribalisme pour tous nous diviser. Nous voulons vivre dans un pays où autant un Boulou, un Bassa, un Foulbé, un Arabe Choua, un Bafia, nous serons tous des Camerounais avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Voilà ce que nous voulons. Et donc j'en appelle vraiment à tous nos artistes, tous ceux qui ont fait la renommée hein, du Cameroun partout sur la planète, de se prononcer sur ce qui est en train de se passer. Demain va s'ouvrir une session parlementaire très cruciale pour l'avenir de notre pays. Les choses sérieuses, et j'ai envie de vous dire, vont commencer dès maintenant. En tout cas, ils vont tenter de faire passer leur gré à gré. Ils vont tenter de le faire en contournant le peuple camerounais. Des jours difficiles s'annoncent pour nous toutes et pour nous tous, et nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas croire que toutes ces personnes se taisent et ne disent rien. Donc, nous leur lançons un appel. S'ils veulent bien nous répondre, nous sommes disponibles pour les écouter. Je voulais également évoquer avec vous ce soir l'impérieuse nécessité de nous former et de vous dire que les études, c'est important. Je tenais vraiment à vous dire ça. Ces derniers temps, au sein de notre résistance, y a beaucoup de conflits et je ne vous cache pas que pour moi qui suis relativement
nouvelle. Je suis un peu perturbée hein, par ça, même si ça n'est absolument pas ça qui va me dévier de ce combat. Alors ça, vous pouvez en être sûr. Je sais absolument où je mets les pieds, je suis convaincue des pieds à la tête, mais ça me désole de voir ça. Ça me désole vraiment de voir ça. Mais surtout, cette espèce de querelle entre ceux qui seraient d'un côté des intellectuels et ceux qui, d'un autre côté, ne le seraient pas. Je trouve ces polémiques complètement stériles, mais vraiment, hein, complètement stériles, parce qu'il y en a qui se sont mis en tête qu'en réalité, ben, on n'a pas besoin de faire toutes ces études pour avancer. J'ai même entendu certains dire, ben, Steve Jobs, par exemple, ou le patron de Facebook, comment il s'appelle déjà, Mark Zuckerberg. Eux n'ont pas eu des doctorats. Hein. Par contre, ce n'est pas ça qui les a empêchés de réussir, certes. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que, comme je vous dis souvent, comme je vous l'ai déjà dit lors d'un récent live, hein, le combat, ce combat-ci, ne va pas s'arrêter une fois qu'on sera arrivé à la gare. Hein. C'est un autre chapitre qui va commencer. Maintenant, il va falloir défendre le programme de notre champion, Maurice Kamto, président élu. Il va falloir le défendre, pouvoir le relayer à d'autres. C'est l'occasion de se former, là maintenant. Ne croyez pas, si on vous dit que des diplômes ou faire de hautes études, ça ne sert à rien, c'est faux. Moi, je vous encourage à vous accrocher à vos études, à vous accrocher à votre école. Allez le plus loin possible dans vos études si cela vous est permis. Et ça n'est pas non plus une raison de dire que oui, moi je suis déjà âgée, hein, j'ai plus le temps pour ça. Non, nous avons la chance d'avoir beaucoup de facilités d'apprentissage. Hein. Je veux parler par exemple des enseignements à distance, ça existe. Ou même des grandes écoles maintenant proposent ce genre d'enseignement. Donc vraiment, informons-nous, allons nous informer, allons chercher le savoir, la connaissance, et comme je vous le dis, et je vous le redirai encore, c'est ma conviction personnelle, j'y peux rien, c'est la mienne. Nous avons la chance d'avoir dans cette résistance toutes sortes de profils. Des personnes qui ont une certaine expérience, des personnes qui sont calées dans leur domaine. Pourquoi ne pas en profiter? Ces personnes mettent à disposition, à notre disposition, leurs cours gratuitement. Est-ce que vous savez, par exemple, combien coûterait une conférence comme celle qu'on a l'habitude de voir dans les lives, hein? Pour assister à une conférence comme celle-là, une boîte de communication nous taxerait, nous facturerait 50 euros, voire 100 euros l'entrée. Hein. C'est la vérité, c'est comme ça que ça se fait. Parce qu'il faut dire qu'il y a des lives intéressants, franchement. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Est-ce que chacun de nous serait prêt à débourser 50 ou 100 euros l'entrée pour assister à une conférence? La réponse est non, on est d'accord. Ou alors ces mêmes entreprises de communication, après la conférence, mettraient ça sur CD ou sur DVD qu'elles nous revendraient par la suite. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, hein? Nous, on a la chance d'avoir des personnes qui sacrifient de leur temps pour nous faire partager ce qu'elles savent dans leur domaine et qu'ils mettent tout cela à disposition, à notre disposition et totalement gratuitement. Alors pourquoi ne pas en profiter? Moi, je pose sincèrement la question, pourquoi ne pas en profiter? Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à arrêter ce genre de, cette espèce de guéguerre inutile. Moi, je trouve ça vraiment inutile. Chacun de nous sait faire quelque chose dans son domaine précis. Et je répète encore ce que je disais la dernière fois. Moi, par exemple, je sais faire des choses qu'une autre personne ne sait pas. Et inversement, pareil, une autre personne sait faire des choses que moi, je ne suis pas capable de faire.
ça devrait plutôt être une sorte d'entraide entre nous, plutôt que de se livrer à cette espèce de guerre. Entre intellectuels et non intellectuels, franchement, c'est absolument sans objet tout ça. On devrait s'entraider. Tout ça pourquoi? Pour le bien de notre pays. Et donc, moi je m'adresse aux jeunes, et pas qu'aux jeunes d'ailleurs. Accrochez-vous à vos études, hein. Qu'on ne vous dise pas que ça n'est pas important. Faites vos études, allez jusqu'au bout, prenez vos diplômes, continuez, allez le plus loin possible. Si vous en avez l'autorisation, si vous en avez la capacité, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le Cameroun libéré, que nous appelons tous de nos voeux, le président élu Maurice Kamto aura besoin de chacune et chacun de nous, chacun dans son domaine. Il aura besoin de tous les talents. C'est l'occasion de se former partout. Il aura besoin de médecins, il aura besoin de philosophes, il aura besoin d'ingénieurs, il aura besoin d'informaticiens, de professeurs. Il aura besoin de tout le monde pour reconstruire, pour relever le Cameroun et rehausser un peu son image à travers le monde. Puisqu'il faut bien le dire, l'image du Cameroun, sincèrement, elle est écornée. Moi, j'ai même honte de dire des fois que je suis camerounaise. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Mais on me demande, à plusieurs reprises, on me demande, mais tu es d'où? Quelle est ta nationalité? J'ai honte de dire que je suis camerounaise. J'ai honte. Tellement, ce régime, depuis 38 ans, s'est livré à toutes sortes de pillages, à toutes sortes de malversations qui ont terni l'image de notre pays à travers le monde. Et c'est de notre devoir de la rehausser, cette image. C'est de notre devoir. Donc faisons l'effort d'apprendre, faisons l'effort de nous former. Moi, j'ai fait par exemple une proposition la dernière fois. Je disais par exemple que comme moi, certains n'y connaissent pas une seule ligne du code constitutionnel au Cameroun, du droit constitutionnel. Et pourtant, c'est crucial pour comprendre les enjeux, hein, pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ils sont en ce moment en train de vouloir changer la Constitution. Il faudrait que chacune et chacun de nous soit capable d'expliquer de quoi il s'agit en réalité, d'avoir accès aux différents articles qui concernent notre sujet du moment, le gré à gré. Allons voir, allons chercher les personnes qui en savent beaucoup plus que nous et demandons-leur de nous faire, par exemple, un live de 30 minutes ou de 45 minutes dans lequel il nous explique, mais brièvement, de façon très concise, ce que nous devons absolument savoir pour pouvoir le relayer à notre tour et pour pouvoir en parler. Parce que chacune et chacun de nous est un relais potentiel. Demandons, par exemple, à un économiste, hein, je suis sûre qu'il y en a, dans la résistance, de nous faire un live de 30 ou 40, 45 minutes pour nous expliquer le programme économique de Maurice Kamto. Et nous, ça nous permettra de savoir ce qu'il est indispensable de savoir et d'aller par la suite le relayer. Pareil pour des spécialistes en droit social ou en droit politique, ou en droit international, quel est le programme en la matière du président élu Maurice Kamto? Allons-les voir, ces personnes, je suis sûre qu'elles existent. Je trouve que c'est ce genre d'initiative qui devrait plutôt nous animer, voyez, plutôt que de se livrer à ce genre de guerre complètement inutile. Moi, j'ai reçu plein de messages de personnes qui me disent qu'elles sont perdues face à ce qui se passe en ce moment, qu'elles ne savent plus où elles en sont. Eh bien moi, tout ce que je leur dis, c'est que si vous ne savez plus où vous en êtes, revenez à la case départ, revenez aux fondamentaux. C'est comme ça, quand on est perdu, on a perdu son chemin, on revient sur nos pas, là où tout a commencé, avec Maurice Kamto. Revenez à Maurice Kamto et agrippez-vous à lui. Ne le lâchez plus. C'est la meilleure façon de ne pas vous perdre. Maurice Kamto, c'est notre guide, c'est notre leader, c'est notre champion,
c'est notre président élu, c'est lui que nous avons choisi pour l'accompagner. C'est donc naturellement lui dont nous attendons les instructions. C'est lui, Maurice Kamto, qui fixe le cap. C'est une question de logique. Du moment où une personne, du moment où nous avons choisi notre leader qui fixe le cap, notre capitaine, il va de soi, par voie de conséquence, que nous attendons le cap, la direction de lui et de lui seul. Donc je vais demander, puisque j'en ai l'occasion de ce soir, de dire à toutes ces personnes qui me contactent inbox, pour me dire, ne dis pas ci, ne dis pas ça, il ne faut pas plutôt faire comme ci, il ne faut pas plutôt faire comme ça. Non, si tu dis ci, tu vas diviser. Non, si tu dis ça, tel autre a fait, tel autre divise, tel autre rassemble. S'il vous plaît, je tiens à le dire, ça ne sert à rien de me déranger comme ça, parce que ça me dérange tous ces messages. Ma voix, elle est claire. Moi, quand je me suis engagée dans cette résistance, c'est derrière Maurice Kamto. Hein. Voilà. Mes deux pieds sont derrière Maurice Kamto, notre président élu, que je reconnais comme seul leader de cette révolution. Oui, c'est une révolution, hein, de cette résistance. Le seul, j'insiste bien là-dessus, c'est lui seul qui fixe le cap. Et c'est de lui seul que j'attends les directives. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. Moi, je vous le dis gentiment. Voilà ma position, comme ça chacun saura. Maurice Kamto, je l'ai attentivement écouté le 1er juin. Et je ne vous cache pas que j'ai eu la larme à l'œil, tant j'ai vu la gravité sur son visage lorsqu'il nous demandait de nous préparer, lorsqu'il nous disait que le gré à gré, en réalité, est passé à la phase supérieure. Lorsqu'il a sonné la mobilisation générale, j'insiste bien sur ce mot, mobilisation générale. Je n'ai pas envie de créer de polémique ou que mon nom se retrouve demain ou peut-être tout à l'heure à la fin du live sur des posts, mais je dis que je n'ai pas entendu le mot « ville morte » de la bouche de Maurice Kamto. Étant donné que pour moi, c'est le seul leader et le seul qui fixe le cap, je suis strictement ce qu'il a dit. Mobilisation générale, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, dès lors que ceux que j'appelle les sardinards des Toudis décideront de proclamer enfin la vacance du pouvoir, ils viendront devant nous, nous toutes et nous tous, Camerounaises et Camerounais, annoncer la convocation de nouvelles élections présidentielles anticipées sans tenir compte de nos deux revendications que vous connaissez déjà, eh bien, Maurice Kamto a dit qu'à ce moment-là, à partir de ce moment-là, nous devons considérer cela comme une déclaration de guerre et nous devons dès lors déferler massivement dans toutes les rues du Cameroun sans laisser un seul espace de libre, de façon pacifique. Il nous a donc exhortés à nous préparer. Et ça fait quelques semaines maintenant qu'on essaye à notre humble position d'alerter, de dire préparons-nous, préparons les tracts, préparons les bouteilles d'eau parce qu'il va falloir le tenir le siège. Préparons les casquettes, préparons les lunettes de soleil. Et ça durera ainsi jusqu'à ce que ce gouvernement cède parce qu'il est hors de question qu'on laisse passer ce gré à gré. On pourrait dire, par exemple, comme exemple de slogan, j'en ai vu beaucoup passer, des exemples, hein, comme par exemple « non au gré à gré »,« oui pour un Cameroun uni »,« non au tribalisme »,« nous voulons notre pays libre »,« nous ne voulons plus avoir peur »,« we don't want to be afraid anymore », parce qu'il ne faut pas oublier les anglophones, hein. Je sais que mon anglais est un peu bancal, mais ça ressemble un petit peu à ça. We don't want to be afraid anymore. Des slogans comme ça. Ah, celui-là, je l'aime bien. Non, je l'ai oublié en réalité. Je m'en souviendrai plus tard. Des slogans comme ça que l'on peut préparer,
pour être prêt le moment venu. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Et ma petite réflexion personnelle me fait dire qu'en réalité, à quoi ça sert les villes mortes? Ça sert à aller se coucher tranquillement à la maison. Or, ça n'est pas ça qu'on veut. Nous voulons que les Camerounais descendent, sortent de chez eux en masse et envahissent toutes les rues de Yaoundé. C'est ça, la mobilisation générale à laquelle a appelé Maurice Kamto. C'est ça la mobilisation générale. Donc, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Ne commencez pas à aller m'incendier dans les postes. Je ne fais que dire ma conviction personnelle. Voilà. J'ai entendu parler, Maurice Kamto, de mobilisation générale et moi, je m'y tiens fermement. Donc, commençons à préparer, encore une fois, les slogans, les pancartes, tout le nécessaire pour tenir le siège. Je viens de me souvenir de ce que je cherchais. Un excellent slogan. Do you understand me? C'est pas formidable ça? C'est le meilleur. Donc vraiment, moi ce que je voulais vous dire, c'est que à plusieurs reprises, le président élu nous a dit combien il est fier de nous dans la diaspora et qu'il sait qu'il peut compter sur nous pour l'aider à relever ce pays. Nous ne devons pas le décevoir. Nous sommes arrivés à un moment crucial de cette lutte. Un moment crucial qui requiert toute notre attention à chacune et à chacun de nous. Moi, ce que je suggère, hein, c'est un temps mort, une trêve dans toutes ces querelles qui n'ont pas lieu d'être, franchement. Laissons ça de côté pour l'instant, on réglera les comptes après. Nous ne devons pas rater cette révolution. Chacune et chacun de nous doit converger vers l'objectif final, parce que le véritable objectif, c'est le régime de M. Paul Biya. On le sait tous. C'est ça la véritable cible. Convergeons tous vers cet objectif-là et battons-nous pour récupérer notre pays. Battons-nous pour empêcher ce gré à gré de se dérouler. Parce qu'en réalité, tout risque de se jouer cette semaine. Je vous l'ai déjà expliqué, tout risque de se jouer cette semaine. Donc soyons attentifs, gardons les yeux ouverts, les oreilles bien en alerte. Hein. Et moi, je n'hésiterai pas à venir devant vous pour vous donner des informations que moi aussi j'aurai. Pour l'instant, le format de ces lives est limité à deux par semaine. Mais rien n'empêche hein, que cela s'accentue en fonction des événements dans notre pays. Il va sans dire que si les choses commencent à s'accélérer, j'imagine que deux lives, ça ne suffira pas. J'imagine, hein, parce que la dernière fois que vous m'avez vu, enfin, des gens commençaient déjà à me réclamer de toutes parts. Mais à quand est-ce que tu fais un autre live? Eh bien, je suis là aujourd'hui. Je ne sais, je pense que je reviendrai probablement la semaine prochaine. Parce que jeudi prochain, ça sera une autre personne qui sera devant vous. Par contre, comme je vous le dis, en fonction des événements au Cameroun, il n'est pas impossible que l'on fasse beaucoup plus de live. Voilà. J'ai dit ça, mais j'ai rien promis, hein. C'est juste une information que je vous donne. Donc, battons-nous tous ensemble pour empêcher ce gré à gré, parce que c'est vraiment le sujet qui nous concerne. C'est le sujet brûlant chaud de ce moment. Eux, ils vont tenter de le mettre en place dès demain. Soyons vigilants et surtout que toutes les Camerounaises et les Camerounais s'apprêtent à sortir massivement dans les rues. Mobilisation générale. Comme nous l'a dit le professeur Maurice Kamto, apprêtez-vous. Franchement, si vous n'avez pas encore fait les pancartes, c'est le moment de le faire. Avec les slogans écrits dessus. Faites vos petites réserves. On va tenir la rue jusqu'à ce qu'ils nous entendent, jusqu'à ce que notre pays soit libéré. Donc,
Je pense avoir épuisé hein, tout ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère vraiment n'avoir pas trop abusé de votre temps. Pour moi, c'était un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Je commence à m'habituer hein, au live. Vous voyez, cette fois, j'ai réussi à stabiliser mon téléphone, ce qui fait que ça ne bouge pas trop. Donc, petit à petit, je commence à mémoriser les codes, en fait. Et je crois que je vais prendre l'habitude de venir souvent m'adresser à vous, hein, si vous le permettez, hein, bien évidemment. Si vous acceptez de me recevoir chez vous, je serai là avec toujours un grand plaisir. Et je tenais vraiment à vous dire combien je suis fière d'appartenir à cette résistance. Mais je vous le dis, je suis vraiment émue hein, en le disant. J'ai presque les sanglots dans la gorge en vous disant ça. Mais parce que simplement, j'ai l'impression de faire quelque chose d'utile dans ma vie. J'ai la nette impression que nous allons la réussir, cette révolution. Mais j'en suis vraiment convaincue. Parce que depuis que je suis rentrée dans cette résistance, ça fait à peine 3 ou 4 mois, hein, parce qu'avant, vous ne me voyez pas. Pour l'instant, je ne vois que des choses positives. Bon, c'est vrai que je vois aussi des choses négatives. Mais bon, ça existe partout. Ça existe partout, hein, des petites querelles et des petites chamailleries comme ça. Mais je reste convaincue que tout ça va finir par se régler. En dehors de ça, je ne vois que des choses positives. Il y a énormément de gens qui m'envoient des messages d'amour, des messages d'affection, de personnes que je ne connais pas. Rendez-vous compte. Et c'est ça qui me fait me lever le matin avec encore plus de niaque, encore plus de courage pour encore plus m'investir dans ce combat que nous allons gagner, parce que je suis sûre que nous allons le gagner. Avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de prières, nous allons réussir à libérer notre pays et ça se fera tous ensemble. Et c'est également tous ensemble qu'on va réussir à le reconstruire. Donc s'il vous plaît, pour l'instant, on rentre dans le dur du sujet. Il va falloir que toutes les énergies convergent vers le non au gré à gré. Et moi, je serai toujours là, si Dieu me prête vie, pour venir vous encourager, pour venir vous rebooster, pour vous dire, on va y arriver, ne lâchons rien. On a déjà fait la moitié du chemin. Il faut finir le travail. Continuons à nous mobiliser. Ceux qui sont fatigués, c'est pas grave, allez vous reposer. D'autres vont prendre le relais. Parce que il faut aussi se le dire, cette lutte n'est pas de tout repos. On a le droit d'être fatigué. On a le droit d'être fatigué et de prendre un petit temps pour se reposer, recharger les batteries et revenir en forme. Parce qu'on aura besoin de tout le monde lors du sprint final. Et on le gagnera. On la gagnera cette bataille. Donc, de grâce, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit ce soir, ne m'incendiez pas dans vos postes, je vous en conjure. S'il vous plaît. J'ai juste dit ce qui est ma conviction personnelle. Voilà. Moi, je suis là, derrière Maurice Kamto, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Et je sais que beaucoup de personnes dans ce combat ont sacrifié beaucoup de choses, ça je le sais. Quand on lutte pour quelque chose en laquelle on croit, eh bien on n'a pas peur. Quel que soit ce qui va nous arriver, l'essentiel c'est que dans notre fort intérieur, on soit complètement fier de pouvoir faire une bonne action. Moi c'est comme ça que je le prends. Pour moi, le fait de m'engager et de me battre pour la libération de notre pays, c'est une forme de bonne action que je fais. Voilà. Au moins, le jour où Dieu va me reprendre, j'aurai au moins quelque chose à lui présenter. Voici ce que j'ai fait de bien dans ma vie. Voyez? Et c'est quelque chose de tellement noble de se débarrasser de 38 ans de dictature, 38 ans de torture, 38 ans de massacre, 38 ans de tuerie, 38 ans de pillage, 38 ans de malversation. Moi, j'ai envie de vivre ce moment-là. Le jour où le régime de Paul Biya va tomber, je n'ai pas envie de rater ce moment-là. Ça sera un moment d'histoire, un moment mémorable que j'ai envie de raconter à mes enfants. Donc, moi, je vous aime tous, hein, vraiment comme si vous étiez mes propres frères et sœurs. Je ne vous cache pas que dans ma propre famille, c'est difficile en ce moment.
parce que ma propre famille n'accepte pas mon engagement. Mais j'aimerais juste leur dire, si jamais ils m'écoutent, je sais qu'ils m'écoutent, que je me suis engagée aujourd'hui pour leur bien aussi. Parce qu'une fois que ce régime tyrannique et satanique sera tombé, ça sera la renaissance du Cameroun, où le Cameroun pourra enfin respirer, le Cameroun verra enfin la lumière. Les gens verront tellement de choses changer. Nous allons remplir les hôpitaux de couveuses. Il n'y aura plus des enfants qui mourront faute de couveuses dans les hôpitaux. En 38 ans, pas assez de couveuses au point de laisser mourir 4 enfants, 4 bébés. Qui peut accepter ça encore longtemps? Ce sont nos enfants à nous qui sont partis là. Avec Maurice Kamto, ça ne se passera pas. On va remplir les hôpitaux de couveuses. Plus aucun bébé ne décédera de cette façon-là. On remplira les hôpitaux de respirateurs artificiels. Plus aucun médecin ne décédera parce qu'on a cherché dans toute la ville un respirateur pour lui venir en aide en cas de pandémie. Les Camerounais verront la différence. C'est pour ça que moi j'en appelle encore à ceux qui hésitent à s'engager derrière Maurice Kamto de le faire. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. En réalité, la question se résume en une seule phrase. Oui ou non, êtes-vous pour ou contre le fait de laisser encore perdurer le régime de Paul Biya pendant 40 ans? Oui ou non? Si la réponse est oui, alors entrons tranquillement dormir chez nous, hein. Mais si la réponse est non, si vous en avez assez de ce régime tyrannique qui assassine tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, qui cache les corps à la famille, parce qu'à l'heure où on se parle, on ne sait même pas ce qu'ils ont fait du corps de Samuel Ouazizi, qui pille sans aucune vergogne toutes les richesses du Cameroun. Ce régime qui tue des bébés au dos de leur maman, massacre ultime. Ce régime qui emprisonne tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et c'est l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer tous les prisonniers politiques qui sont encore derrière les geôles et de leur dire patience, nous arrivons. Vous allez bientôt sortir. Nous allons venir vous libérer. Soyez patients. Toutes nos prières vous accompagnent. Nous ne vous oublions pas, jamais. Oui ou non voulez-vous encore de ce régime? Parce que ça sera le même, hein. Ça ne sera peut-être plus la personne de Paul Biya, mais ça sera une personne qui pense exactement comme lui, qui va perpétrer les mêmes méthodes que lui. Oui ou non pour la continuité de ce régime? Oui ou non? Si la réponse est non, si vous en avez marre de souffrir, si vous voulez vous remettre à rêver, alors c'est le moment de s'engager avec nous, derrière Maurice Kamto, pour la renaissance du Cameroun. Donc, tous ceux qui sont indécis, tous ceux qui ne savent plus où ils en sont, tous ceux qui ont peur, parce que oui, il faut le dire, le régime de Paul Biya a semé la peur dans le cœur des gens, mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Nous sommes prêts à mourir pour cette cause. Nous sommes prêts à mourir pour cette cause. Nous sommes prêts à mourir pour cette cause. Mais nous arriverons tous vivants à la gare. Donc engagez-vous, engagez-vous. Et il y a dans cette résistance énormément de personnes qui sont là pour vous encadrer, qui sont là pour vous motiver, qui sont là pour vous booster, qui sont là pour vous prendre la main et vous accompagner. Et je suis l'une de ces personnes. Je serai toujours disponible, hein, si on a besoin de moi quelque part pour aller un peu remotiver les troupes. Moi, je vais courir, hein, je cours. Simplement, je ne veux pas rater ce moment de libération de notre pays. J'ai envie de voir ça de mes yeux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. J'espère n'avoir pas trop usé de votre temps. Je vous promets de revenir très très bientôt. Si vous avez des suggestions à faire sur des sujets, par exemple, que vous souhaiteriez me voir moi ou d'autres, hein, traiter, surtout n'hésitez pas, laissez ça en commentaire ou alors contactez directement Yannick ou Armel. Voilà pour le faire son. Ou même moi.
Je ne vous promets pas que je vous répondrai tout de suite parce que je vous assure que je reçois énormément de messages de personnes totalement sympathiques et gentilles. Je fais toujours l'effort de répondre à chaque message. Chaque message. Je fais cet effort-là, même si parfois ça prend 1, 2, 3, 4 jours, mais j'y réponds toujours parce que quand une personne a fait l'effort de s'asseoir et de m'écrire un mot gentil, je dis que c'est mon devoir de répondre à ça. Donc ne vous inquiétez pas si votre message n'a toujours pas trouvé de réponse, ça arrive, je trouverai toujours le moyen d'y répondre. Merci à vous tous pour le bonheur que vous me donnez dans cette révolution, parce que je suis très heureuse, hein, sincèrement. Très heureuse d'être là, très heureuse de ce que je fais, parce que surtout, j'ai l'impression, je dis ça modestement, hein, j'ai l'impression que ce que j'écris fait du bien aux gens. Bon, bah tant mieux. Si c'est le cas, tant mieux. Et c'est vous qui me donnez l'envie de continuer. Donc, je serai là autant, tout le temps que ça durera, si Dieu me prête vie, bien évidemment. Je vous embrasse tous très affectueusement. Je vous aime tous de tout mon cœur. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, ne lâchons rien. Concentrons-nous sur le combat contre le gré à gré. Faisons tout pour réussir cette révolution. Et je crois fermement que nous allons la réussir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.